Madame, Monsieur, chères Valaisiennes, chers Valaisiens, c'est dans un format à la fois inédit et inattendu que je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle présentation des vœux de la municipalité. D'ordinaire, nous aurions dû nous retrouver dans une salle polyvalente pour ce moment de convivialité apprécié de tous et qui permet, tout en faisant le bilan de l'année écoulée, d'évoquer les projets et les perspectives de l'année qui débute. L'équipe municipale et moi-même, nous faisions bien évidemment une joie de vous accueillir pour partager ces moments et tout simplement avoir ce contact humain qui nous manque tant depuis plusieurs mois. Le contexte sanitaire en a décidé autrement et il faut nous adapter à cette situation. Et c'est pourquoi j'ai tenu, malgré tout, à maintenir ce lien entre nous, même s'il est à distance. Au-delà de la situation sanitaire connue de tous, l'année 2020 aura été marquée par un changement d'équipe municipale. Le 15 mars dernier, les habitants de Valcuenon ont clairement exprimé leur volonté de changement et de renouveau. L'équipe élue le 15 mars n'a pourtant pris officiellement ses fonctions que le 28 mai, lorsque le déconfinement printanier est intervenu. L'année 2020 aura donc été une année de transition dans la jeune histoire de notre commune nouvelle. J'en profite ici pour remercier l'ensemble des élus du mandat précédent pour leur investissement au service de la collectivité, et plus particulièrement les maires des communes historiques, Claudine Closset, Philippe Germain, Claude Guérin et Brigitte Mario, qui ont œuvré pour la création de la commune nouvelle et qui l'ont portée avec leurs équipes sur les fonds baptismaux. Je remercie également les agents de la municipalité et l'ensemble des services pour leur investissement quotidien au service de la collectivité et toute l'énergie qu'ils ont déployée à la fois lors de la création de Valquénon pour harmoniser les pratiques et trouver un mode de fonctionnement optimal, mais également lors de la pandémie Covid-19 où ils ont su maintenir un service public efficace dans un contexte anxiogène. C'est donc maintenant, avec confiance, mais également réalisme, qu'il convient d'aborder cette nouvelle année 2021. Le manque de visibilité et les incertitudes quant à l'avenir n'entameront ni notre détermination ni notre optimisme pour construire, avec vous, une commune où le bien vivre ensemble prend tout son sens. L'année 2021 sera tout d'abord consacrée à la poursuite de projets initiés par les précédentes municipalités. Tout d'abord, l'église de Tremblay, dans laquelle les travaux ont repris depuis plusieurs semaines et qui nous laisse entrevoir une issue heureuse durant cette année. Je rappelle qu'à notre arrivée, nous avons trouvé une situation figée dans laquelle les différents intervenants n'étaient plus en contact depuis des mois et qu'il a fallu, patiemment mais fermement, réunir à nouveau tous les protagonistes pour relancer et finir ce chantier qui n'a que trop duré. La salle multiactivité de Tremblay. Après une phase de terrassement intervenue l'été dernier, nous voyons l'entreprise de maçonnerie débuter ses travaux sur ce mois de janvier et ensuite le chantier poursuivra son cours. Nous espérons que certaines erreurs commises dans les études préalables ne se reproduiront pas afin d'éviter à la fois les surcoûts et les retards. La boulangerie de Tremblay, le permis de construire sera déposé prochainement et nous sommes mobilisés pour aller le plus vite possible dans la réalisation des travaux. L'ouverture de ce commerce essentiel à la vie communale ne pourra cependant pas intervenir avant l'année 2022. Le pont du Couénon, trait d'union entre La Fontenelle et Entrain, élément patrimonial incontournable dont la valeur a été reconnue par la Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern. Un maître d'œuvre a été recruté afin de lancer les travaux de rénovation dès que possible. Au-delà des travaux engagés, il conviendra de mener une réflexion sur l'aménagement global de ce site qui recèle très certainement un potentiel inexploité. Le site de l'ancienne gendarmerie. Cette dernière a été démolie en 2020. Plusieurs options d'utilisation du terrain s'offrent à la commune pour ce site stratégique mais qui a déjà coûté très cher à la collectivité. Très bientôt, je vous informerai des choix de la majorité municipale l'île au joint à proximité de l'église d'Entrain. Le projet initial a dû être annulé en raison du coût déraisonnable pour la commune des travaux qu'il fallait engager suite à la découverte de l'instabilité du sol. Une réflexion sera menée avec vous pour faire de cet espace un lieu agréable et qualitatif, parfaitement intégré au projet de revitalisation du centre-bourg que nous allons mener dans les prochaines années. Tous ces dossiers, certes très importants, engage financièrement notre commune pour de nombreuses années, limitant mécaniquement les possibilités d'investissement et donc nos ambitions. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous resterons inactifs. Le début du mandat a été marqué par une mise au travail immédiate de toute notre équipe qui, quotidiennement, est à votre écoute et agit sur le terrain. Des décisions ont d'ores et déjà été actées par l'équipe municipale, comme par exemple la création d'un conseil municipal des jeunes, une promesse de campagne nous tenant à cœur et une démarche inédite jusqu'à présent, la mise en place d'une réflexion propre à Valcuenon sur l'aménagement du territoire avec le contrat de partenariat avec l'Université de Rennes 2 et la création d'une commission extra-municipale sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Le lancement de l'étude pour l'extension du label des communes du patrimoine rural de Bretagne à toutes les communes déléguées. Pour rappel, Entrain avait obtenu ce label en 2018. Le lancement d'études sur l'aménagement de pistes cyclables. La mise à jour administrative des cimetières afin d'aboutir à une gestion unifiée et simplifiée dans l'intérêt des familles, des agents de la commune et pour préparer les décennies à venir. Les investissements pour du matériel ou des réparations dans les écoles et les cantines. Le lancement d'un audit énergétique pour les bâtiments communaux. Et la volonté de centraliser les services techniques de la commune sur le site de l'ancienne caserne des pompiers à Tremblay, locaux qui étaient vacants depuis plusieurs années. Ce dernier point me donne l'occasion de saluer le travail et l'investissement de nos sapeurs-pompiers. Ils et elles sont une véritable fierté pour notre commune. Et j'appelle toute personne intéressée à rejoindre leur rang car leurs effectifs ont besoin de renforts. Lors de cette nouvelle année, en plus des gros dossiers cités précédemment, nous mènerons différents travaux visant à améliorer la qualité de vie. Des travaux d'assainissement à entrain sur les secteurs de la rue du Vivier et de Saint-Laurent, la voirie de la rue de la Parlette à Saint-Ouen. D'autres interventions sur les voiries ou pour l'embellissement ne sont pas exclues mais elles se feront en fonction de nos possibilités financières et selon des priorités à déterminer. C'est un peu avant Noël qu'une bonne nouvelle a été annoncée pour Valquénon. C'est avec beaucoup de satisfaction et de joie que nous avons appris que notre candidature au programme national des petites villes de demain avait été retenue par l'État. Ce programme va permettre à 1000 communes de moins de 20 000 habitants Exerçant des fonctions de centralité, de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leur projet de revitalisation de leur centre, pour rester ou redevenir des villes dynamiques, respectueuses de l'environnement et où il fait bon vivre. 29 communes d'Ille-et-Vilaine ont été retenues. Cela nous ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir et rejoint de nombreux points présents dans nos objectifs de mandat, comme par exemple la revitalisation des centres bourgs. Le travail fourni depuis le début du mandat, l'état d'esprit qui nous anime et notre volonté de faire de Valquénon un pôle de centralité et de vie qui se développe dans l'intérêt de tout un territoire ont été reconnus et nous avons été sélectionnés parmi les communes bretonnes qui feront partie de ce dispositif. Pour ne pas être trop long et respecter le format restreint de cette intervention, je voulais vous indiquer que nos actions seront encore plus vastes que cette présentation synthétique. Nous n'oublions pas, bien évidemment, le monde associatif, durement éprouvé par la situation sanitaire, et nous avons hâte qu'il puisse à nouveau animer et faire vivre notre commune avec convivialité et dynamisme. La cohésion sociale, les solidarités entre les générations, l'éducation et la jeunesse prennent tout leur sens dans ce contexte si particulier. Pour préparer l'avenir et s'inscrire dans l'évolution inéluctable de notre société, le développement durable et la préservation de notre environnement sur de multiples plans doivent guider notre action et nos réflexions. Enfin, le développement économique, même s'il est une compétence intercommunale, constituera une priorité. Du dynamisme économique découlera la vitalité du territoire et après ces mois douloureux pour bon nombre d'entreprises, nous devons trouver les moyens de rebondir et préparer l'avenir. Comme vous le voyez, la tâche est immense. Et malgré notre bonne volonté, nous n'y arriverons pas seuls. Au sein de notre communauté de communes, Cuenon marche de Bretagne, dans les organismes où nous siégeons, mais également dans nos échanges avec les territoires voisins et les services de l'État, nous travaillerons sans relâche pour réussir Val -Quenon. Mais cette réussite passera également et même surtout par chacune et chacun d'entre vous. Au quotidien, par vos actions, vos projets et implications diverses, vous construirez, animerez et développerez notre commune. Le sens du collectif, la solidarité et l'intérêt général doivent nous guider. À l'aube de cette nouvelle année, je vous adresse donc tous mes meilleurs vœux ainsi qu'à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont chères. Vœux de santé en priorité, car on sait tous que celle-ci est un bien précieux et l'année 2020 nous l'a encore démontré. Vœux de prospérité et de réussite dans tous vos projets, ainsi qu'une multitude de bonheur et de satisfaction pour les mois à venir. Malgré le flou sur l'évolution de la crise sanitaire, je souhaite ardemment qu'un retour à la normalité intervienne dès que possible, nous permettant de nous retrouver et d'échanger sereinement et dans la convivialité, en somme comme avant. D'ici là, nous devons être patients et prudents. Vous pouvez compter sur notre dévouement et je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider à relever les défis qui nous attendent. Belle et heureuse année 2021 à vous et à bientôt.